Europe 1, il est 6h32. C'était il y a 80 ans et c'était à la radio l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940. Réfugié à Londres, il appelait ceux qu'il pouvait à le rejoindre pour lancer un mouvement de résistance à l'Allemagne nazie. Des cérémonies auront lieu aujourd'hui. Alors il y a le protocole, les drapeaux, la Marseillaise, mais il y a aussi, on va l'entendre avec Jean-Gabriel Bourgeois, dans presque chaque parti politique aujourd'hui, une partie de l'héritage du général qui est captée. Comme Jeanne d'Arc n'appartient à personne, l'héritage du général de Gaulle n'appartient à personne. Au Rassemblement national, on revendique une continuité avec les idées du général de Gaulle. Son porte-parole, Sébastien Chenu. Sur l'indépendance de la France, la nécessaire unité des Français au-delà de la droite et de la gauche, sur la vision de la place de la France dans le monde, sur tous ces sujets-là, nous avons des points de connexion très forts avec le discours du général de Gaulle. Récupération politique, fustige la droite. Damien Abad dirige le groupe LR à l'Assemblée. Il n'est pas de Gaulle qui veut. Le pauvre général, il doit se retourner dans sa tombe. Ce que j'apprécie moins, c'est quand on fait de cet héritage un moment pour se racheter une virginité. Les Républicains fêteront sobrement cette journée. Seul un portrait de Charles de Gaulle recouvre la façade du siège à Paris. La droite qui a perdu le monopole de l'héritage gaulliste. Emmanuel Macron, lui, célébrera l'anniversaire du 18 juin au Mont Valérien, puis à Londres avec une cérémonie. Un proche du président l'affirme, il s'est toujours référé à la figure du général, une valeur d'exemple pour réformer le pays.